Revolution. Je la retourne un petit peu dans tous les sens. Alors, ça prendra pas beaucoup de place à côté de votre téléphone. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un tout nouveau appareil qui vient juste de sortir. Cet appareil porte le nom de Vocatel. Et Vocatel est un appareil qui va vous aider au quotidien, qui va vous permettre de lancer des appels téléphoniques à partir de votre domicile par le biais de la reconnaissance vocale. Ce qui veut dire que si vous avez beaucoup de difficultés avec le téléphone de la maison, si vous avez des problèmes TMS, ce qui veut dire des membres supérieurs, troubles musculo-squelettiques, si vous avez des problèmes d'handicap visuel et vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles technologies, si vous êtes un senior et que vous avez beaucoup de difficultés à vous rappeler ou à composer des numéros de téléphone, Vocatel va être la solution. La solution qui va résoudre tous vos appels en une seule commande vocale. Vocatel va vous permettre de lancer un appel, de créer des contacts à partir de votre téléphone fixe, mais grâce à la reconnaissance vocale. Anciennement Vocali, Vocatel a pour but donc de simplifier les appels téléphoniques. On va donc faire ensemble l'unboxing de cet appareil, car le Vocatel est un petit appareil qui va être branché à votre téléphone et branché à votre box, qui va vous permettre donc de lancer les commandes vocales et créer vos contacts. Grâce à ces connectiques, Vocatel va être donc capable de composer un numéro de téléphone vocalement, ce qui va vous permettre en toute autonomie de créer vos contacts et de les appeler sans besoin de l'aide de personne à partir de votre téléphone fixe. Le Vocatel est donc compatible avec les lignes ADSL et fibre. Le Vocatel est donc livré avec une télécommande. Vous allez voir dans l'unboxing comment cela se passe. Cette télécommande va être donc équipée d'un micro. C'est à partir de celle-ci que vous allez pouvoir lancer vos appels. Pour bénéficier d'une très bonne reconnaissance vocale, il faut absolument que la Vocatel soit connectée en filaire, c'est-à-dire en Ethernet, sur votre box. Elle est compatible toute box, que ce soit Orange, Free, Bouygues, etc. On va donc tout de suite passer à l'unboxing de la Vocatel. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre. Si vous avez des connaissances avec des difficultés, c'est parti donc pour le déballage. On est donc avec une boîte rectangulaire qui s'ouvre en deux parties. On lève le capot et on arrive tout de suite au-dessus. On rencontre déjà des câbles. Alors, au niveau des différentes connectiques, on a un câble Ethernet qui va donc se brancher sur la Vocatel et à votre box. Et ce câble donc est de couleur jaune. Le câble RJ11 fourni pour connecter la Vocatel à notre téléphone fixe. Ensuite, on retrouve le câble d'alimentation. On tombe instantanément sur la télécommande. Alors, les batteries sont livrées avec la télécommande. Normalement, ce sont des batteries rechargeables, donc très bon point par rapport à la livraison. Et ensuite, on tombe directement sur la Vocatel. Je vous la retourne un peu dans tous les sens pour que vous puissiez la voir. C'est un boîtier de hauteur de 14 cm sur 7 cm de largeur et d'épaisseur. On a la prise d'alimentation. On n'aura donc que deux câbles à brancher. Je vous la retourne un petit peu dans tous les sens. Alors, ça prendra pas beaucoup de place à côté de votre téléphone. Voilà, donc c'est tout. Un câble Ethernet, notre Vocatel fonctionnel et une télécommande. Que va pouvoir vous apporter Vocatel en termes de contact? Vous allez donc pouvoir gérer un carnet de contacts téléphoniques, ajouter, supprimer, appeler des contacts. Et en plus, étant donné que la Vocatel est connectée à votre box, vous aurez la possibilité de faire des recherches à partir d'Internet. Les organismes publics tels que les banques, les pharmacies, les hôpitaux, la CAF, etc. Un très bon avantage pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'Internet. Tel un Google Home, vous allez pouvoir faire ces recherches,
Mais par rapport au Google Home, vous allez vraiment pouvoir lancer vos appels. Donc c'est vraiment un très bon point pour les gens qui ne sont vraiment pas à l'aise avec les nouvelles technologies. Une fois branché, votre télécommande vous servira de micro pour faire toutes ces recherches. Comme vous pouvez voir, le branchement n'est pas du tout compliqué. Un câble RJ11 qui part de la Vocatel à votre téléphone et un câble Ethernet qui part de la Vocatel à votre box. Vocatel donc va pouvoir composer les numéros de téléphone à votre place. Il suffira donc de dire le nom de votre correspondant que vous aurez enregistré au préalable. Vous n'aurez qu'à dicter les chiffres du numéro de téléphone que vous voulez appeler et Vocatel s'occupera du reste. Par caractéristiques techniques, on a donc une prise RJ11. On aura la possibilité d'avoir un nombre illimité de contacts à l'intérieur de notre Vocatel. Le type de mémoire interne est un type de mémoire flash. Le poids donc de ce boîtier est de 300 grammes. Voilà pour ce déballage de cette Vocatel. On va suivre une vidéo sur comment la brancher, comment s'en servir. Je vous mettrai dans la description le lien de la page où vous pouvez trouver cette Vocatel. Son prix est de 250 euros. Vous allez pouvoir, grâce à la Vocatel, être autonome en termes d'appels téléphoniques à la maison et de rechercher seul les téléphones des différentes administrations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette vidéo sur la Vocatel. On va voir ensemble les branchements sur la prochaine vidéo, le fonctionnement complet, comment entrer, comment lancer des appels, comment faire des recherches sur Internet avec la Vocatel. Merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !